eksiktir amanın küsmeye gelmez. Haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler. Amanın oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler. Au réveil, 95% d'humidité partout. Voilà, le vendeur de bière local ici est tombé en panne sèche de diesel. Alors j'ai retrouvé un bidon de 5 litres qui me ramène demain. Avec du pain. Le bidon qui était tombé au panier, on verra si on ramène le bidon de diesel. Et ce qu'on y a commandé, voilà qu'il arrive. Voilà, ici dans la baie, il y a beaucoup beaucoup de place, n'est-ce pas? Mais beaucoup beaucoup de place. Mais il faut que les idées qui viennent mais se coller. Je sais pas, parce que l'étoile filante, elle doit être hyper sexy pour que ces gros mastodontes y collent au cul. Voilà, toujours entre les deux petites îles de Pandemli. Endroit vraiment calme, même quand ça souffle fort. Et il y a quasiment personne ici. Quand il fait comme ça chaud, ça nécessite des givrages parce qu'il y a de la glace qui se forme et après ça consomme nettement plus d'énergie. Donc allez, tous les 3-4 jours on met le frigo en stand-by, on attend 3 heures et on met la glace. Et là voici cette image de l'avion rose et vous voyez assez ces personnages avec ces grands masques, on fait référence à des grands personnages de... Alors ce matin, Corvée Poubelle, on est le 27 juillet. Ça fait une semaine qu'on est... Enfin, c'est samedi, on est arrivé samedi. Donc ouais, ça fait une semaine. Et là, c'est par ici que tous les bateaux viennent s'agglutiner. On va les regarder ce matin, ça va être... 10h moins qu'un. Et voilà cette plage où les gens viennent s'agglutiner. L'étoile filante est là. Du beau sable et des mouettes qui se promènent par là. Et là, nous sommes invités sur le bateau Galaxy D avec Anne et Frédéric qui sont allés pêcher des oursins. Et là, nous sommes en train de nous régaler. C'est excellent. C'était une super rencontre. Encore merci à eux de ce moment. Voilà, demain, on va quitter ces lieux. On a passé 14 jours ici au mouillage. Dans ce coin magnifique.
avec cette eau incroyable. Bien protégé. Quand même des rafales en fin de journée depuis 3 jours. Des rafales qui viennent de là. Entre 22 et 28 nœuds. Ben, le bateau danse assez peu. Il n'y a pas de vagues qui rentrent. Et par fort vent du nord qui est juste là en face. Ça ne passe pas. Les vagues font peut-être 40 cm à péter. Très vite. Et voilà, on est parti. On est le 2 août. Donc on a passé 14 jours ici et maintenant est parti pour 12 000. Tranquille. Très cool. Bye bye, Bademli. Et cap sur Chandarle. Donc ici on va descendre la côte, on va venir ici derrière et on va venir se mettre dans cette baie là. Là il y a une ville, environ 12 000. Voilà, entre 8 et 10 nœuds de vent et on redescend. On navigue à 3,3 nœuds tranquille. Conditions de vent devraient changer en cours de route. Et ici devant, une grande pêcherie. Voilà, on a pris nos petits virages là. On va passer entre cette île là et venir ici derrière. Voilà. Voilà, belle petite nave. 12-13 nœuds de vent, toujours au portant. Ici, on va passer entre Style et là. Où on voit quelques navires en attente là. Donc ici, hein. On se maintient, mais 500 mètres devant nous, la mer a l'air lisse. Voilà, juste avant d'arriver, on avait plus de vent, on a enlevé le génois. Et maintenant, on a du vent dans le pif. Thank you.
la Cap d'Arlon avec son château typique. C'est un pétrolier avec 297 mètres de long. Là, ici, on arrive au bout de la pointe. On vient voir un dauphin. Et nous, on va partir là au fond. On va aller gentiment dans notre mouillage. Voici au mouillage de la baie est de Chandarle. L'eau n'est pas aussi claire que dans la dernière baie. Couleur lacustre. Voilà, c'est parti aujourd'hui, on est le 3 août et on va faire un petit tour en ville. La nuit était relativement tranquille maintenant. Ah, l'étoile filante se joue au monde. Cette jolie plage ici. Et on va aller en ville et puis essayer de visiter ce magnifique château là. Voilà la statue de Atatürk. Et voilà ce magnifique château. On va voir si c'est ouvert. C'est de l'enceinte du château. C'est magnifique. Et voilà, un petit escalier qui monte là, mais c'est interdit de l'utiliser. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Et voilà, c'est mon petit tour de la tour. Avec l'autre côté de Chandarle avec son port et la plage ici. Et si on part de l'autre côté, on voit de l'autre côté avec l'étoile filante là. Et voilà l'autre rive. Avec cette longue, longue plage. De retour de course. Chargé comme des baudets. Notre petite Amex est par là. La petite étoile filante est par là, toujours toute seule. On a trouvé une belle petite boucherie. On va se faire des belles entrecôtes ce soir. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé un bon morceau de viande. On va mettre pas ça à mariner un petit peu et puis voilà. Ce soir, on attaque. Petit bout de viande avec une bonne salade grecque. Nous sommes le lundi 5 août. Et demain, c'est départ pour Yenifocha. Voilà, mardi 6, départ de la baie de Chandarle. Le fond était très boueux avec de la boue grise. On fait nettoyer la chaîne un peu et tout. Et là, on a la force 4, 13, 14 degrés. Il y a toujours bougé de moi seul. Là-bas.
parti de là. On ne va pas faire une route directe, on vient ici, dans ce port ici là. Mais là, il y a une route pour les cargos. Alors, soit on passait là au milieu, après il fallait contourner ça, mais là on va prendre au large la route. En plus, si on prend ici, on aurait dû passer en plein dans ce bordel de cargo là. Donc ici on contourne, on va passer pas loin de celui-là. Dans ce port industriel, il y a du monde. Ici, on voit un bateau qui arrive. Nous, on est là. On a qu'on le surveille. Il est tout là-bas, là-bas, je vous rappelle. Là, on a réduit notre génois. On n'avance presque plus. Et on va laisser passer cet engin. En plus, oui, il a coupé les gaz pour rentrer dans le vent. Voilà, le village de Lémifocha devant nous. L'étoile filante de la marina de Lémifocha. Et voilà une belle marina. Magnifique. Dans la marina, on voit notre premier bananier. Ah, jamais vu. Magnifique. La marina est très 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 jolie. On est à l'extérieur. Donc ici, on trie les poubelles. Voilà, dégustation d'une petite bière dans la marina. Magnifique déco. Et voilà notre dernière fondue à Lémifocha. Farci avec du riz. Il y a des magnifiques bâtiments par ici. On arrive gentiment de l'autre côté de la baie. Ici, ben, depuis le port, piste cyclable, piste piéton. Plage un peu aménagée. Je suis parti louer une voiture. Pas évident de trouver l'agence, mais moyennant le patron d'un petit bistrot. C'est magnifique par ici. Très très joli. Bistrot
avec une super belle décoration. Aujourd'hui à midi, un petit repas qui s'appelle Balok Ekmek, ça veut dire poisson et pain. Avec Stella comme boisson, un petit chalgam épicé. Et pour moi, un ayran. Là, aujourd'hui, on a loué une voiture pour aujourd'hui demain. Et ici, on est à Bergame et on va aller voir l'acropole. Et ici, petit funiculaire qui va nous prendre. Alors voilà, on se croirait au balai ici. Voilà, c'est parti. Bon, on ne pensait pas faire du télécabine en Turquie. Hein. Voilà, ici, un petit plan. Comment c'était à l'époque. Là, il ne reste plus grand chose. Hein. Ça devait être magnifique. C'est grandiose. Bir saniye ben bir tane fotoğraf çekeceğim. Et voilà, on redescend. Et puis maintenant, on va aller visiter le centre-ville. Ce soir, une petite fondue chinoise, mais avec la viande coupée en cubes. C'est une petite salade. Ouais, on vient d'arriver à Efes et on va. C'est un aller-retour. Alors on fait le tour avec les chevaux en calèche et puis on redescendra à Efes. Ça se coule les nichons un peu, hein, loulou. Et voilà, c'est parti. Et voilà, les canassons qui nous ont ramenés. Voilà, on est arrivé à Efes 9h30 du matin, il y a déjà bien du monde. Voilà une maquette avec une vue d'ensemble. Thank you.
ici ça bosse. Là, on s'imagine bien comment ça devait être. باقی مونده. اینم به خاطر اینه که در زیر این محله ها Big amphithéâtre qui est fermé au public. Voilà, on est le 14 août à Yenifocha. Demain c'est le départ, donc aujourd'hui c'est complète. Andiamo Pedro. Et voilà, là on est face au vent, on doit contourner la cardinale et après on va se retrouver vent de travers. Voilà, on est parti d'ici là, le port, et on va longer la côte là. Je voulais venir dans une petite crique là, on était déjà venu, mais les vagues elles arrivent du nord donc ça va pas la faire. Et on va descendre ici. Descendre jusqu'ici à Focha et on va venir rouiller ici. Ils annoncent nouveau un fort Medpem. Enfin ici ça s'appelle le Poiraz, ça s'appelle pas le Medpem. Donc on a encore environ 10 000 à faire. Et on est sous Génoiseux. Une belle mer, il y a des vagues donc on se fait un peu rouler. Aslan Bouvoun, ça veut dire le Caprilion. Voilà, il y a plus de vagues que de vent, donc on se fait un petit peu secouer. Puis là, on est content de ne pas avoir mis la grand voile parce qu'elle n'arrêterait pas de claquer. Et près de vent génois parce qu'on est presque en arrière. Et dans 10 minutes, on va changer de cap et on va descendre comme ça. Après le passage du cap ici, le vent est remonté à 18 nœuds. Et on va contourner cet îlot, cet île-là. Ici, et ensuite on va rentrer ici dedans. Là. J'essaie de trouver un
mouillage. Voici notre mouillage à Yeskifocha. Avec ici juste derrière nous le petit port de pêche et ses restaurants. Pas dans le cockpit animé. Ma loulou, tu m'as fait un super truc. Et tout ça avec des rafales à 30 nœuds. Bon appétit, 35, ma loulou. 5, 6. Oh non, non. Ce vent a décorné les bœufs, il se fait bien secouer. Voilà ici, magnifique coucher de soleil. Et là, c'est la misère sur Izmir avec un immense incendie. Évacué, ça a attaqué la périphérie de la ville. Et voilà, le coq du bateau a à nouveau concocté un super repas. De l'agneau, des pâtes et des tomates à la Provence. Aujourd'hui, le dimanche 19 août, et on va traverser de l'autre côté de la baie d'Izmir, là-bas, ça fait 12 000. Alors on a passé 3 nuits ici avec du vent, des rafales relativement fortes en 30 et 36, 37 nœuds. Donc pas trop bien dormi, puisqu'on est toujours un peu en mode surveillance. Espérant que ce Poyraz qui est nommé ici, c'est le Meltem, mais en Turquie ils appellent ça le Poyraz. Se calme, ça rafale toujours encore là. Là, départ de Yeskifocha. Là, on voit des grosses rafales qui arrivent. Il va y avoir une très grosse rafale là. Hein. Moteur.
plus 2, 4 nœuds de vent. Toujours la vague. On approche de Karaburun. On a Karaburun devant nous, mais avec la petite houle qui arrive là, pas sûr que ça aille vraiment bien là-bas devant. Voilà ce qui pourrait nous attendre au mouillage. Voici au mouillage à Karaburun. On a réussi à trouver une tache de sable, ce qui n'était pas évident, et puis à s'intercaler entre tous ces bateaux qui sont sur bouée. Donc où on doit faire attention, c'est que eux, sur une bouée, ils évitent. Donc leur rotation n'est pas la même que nous sur une chaîne. Donc on a mis ici 30 mètres de chaîne, donc on fait un tour de 60 mètres sur notre ancre. Donc lui, on a testé, on a tiré sur on touche pas, Amore. L'allée, on touche pas. Et puis Gundogan, on l'a pas essayé, mais on doit pas le toucher non plus. Et maintenant, le capitaine va faire un pouf voir si l'ancre a bien planté. Au lever de lune au-dessus du panache de fumée d'incendie d'Izmir.